Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. On est à Dortmund, au Signal Iduna Park. C'est un extraordinaire. Tu sais que c'est pas facile à dire et que tu l'as drôlement bien prononcé. Et à l'occasion de cette rencontre, eh bien, nous allons suivre le Borussia Dortmund face au Fortuna Düsseldorf. Pierre, dites-nous ce que vous attendez du Borussia dans cette rencontre. Avec 6 points sur 6, le champion de la saison précédente est bien évidemment au rendez-vous de ce début de championnat. Ce match attendu que l'on va suivre, attendu parce qu'on va découvrir le nouvel ailier de cette équipe. Il va disputer son premier match avec sa nouvelle équipe. On va voir s'il trouve déjà des premiers automatismes. Le Borussia Dortmund, une formation qui aborde ce match fort d'une victoire lors de son dernier déplacement face à Leipzig. Ouais, Hervé, une victoire 3-1, qui me fait dire que les joueurs sont en pleine confiance. Ça peut continuer. Une équipe qui a pour habitude de faire énormément circuler le ballon. C'est vraiment le jeu à la barcelonaise. Oui, on voit pas mal de mecs qui sont assez copains avec la balle. Je ne sais pas si on verra des buts, mais ça peut être sympa à regarder comme match. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Le coup d'envoi donné à l'instant par le Borussia Dortmund. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Boyata. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Adara Bioyo. Maitland-Niles. Domingo Skinia. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Attention à la frappe. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Le corner en direction Adara Bioyo. Le dégagement pour éloigner le danger. On s'approche du but. Ishii Batshuayi. Ah oui, le bon ballon là.
Oui, le joueur est bel et bien hors-jeu. De peu, mais hors-jeu. Péchi Batshuayi. Une vilaine passe directement à l'adversaire. Maitland Niles. Domingo Skinia. Gibbs White. Chaloba. Divock Origi. Michy Batshuayi. Oh, le but peut-être. Oh, magnifique. Le gardien qui s'interpose. Le ballon est sorti. Corner pour le Borussia. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Gibbs White. Interception. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Le centre tendu. Michy Batshuayi. Il s'avance vers la surface. C'est Wertz. Le ballon qui sort en corner pour Dortmund. Le corner, le ballon. Allez, il faut le mettre celui-là. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Le tir. Ah, c'est complètement dévissé. Ouais, ils sont gentils, là. Ils nous remontrent les images. Ils utilisent la technologie, mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. C'est pas plus mal, hein. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Attention, il a du champ devant lui. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Il cherche un petit pied dans la surface. Et le dernier mot pour le gardien. Domingo Skinia. Ah, il perd ce ballon. Gibbs White. Marcus Edwards. Divock Origi. C'est une touche pour les jaunes et noirs. Michy Batshuayi. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Eh oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, le tacle et ça sort en touche. Boyata. Ouais, on passe par les côtés. Allez, on redouble les passes. Gibbs White.
Marcus Edwards. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Gibbs White. Marcus Edwards. Divock Origi. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Elle frappe contrée par le défenseur. Le ballon dégagé au large. Il prend sa chance. Et dans le tir qui est contré. Ah oui, c'est bien fait ça. C'est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Ah, bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Ce sera un corner pour le Borussia Dortmund. Un corner. Divock Origi. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Divock Origi. Il est dépossédé du ballon. On s'approche du but. Le tir. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Adara Bioyo. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Gibbs White. Marcus Edwards. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Marquage trop laxiste, attention. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oh, c'est contré ce tir. Marcus Edwards. Divock Origi. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Il s'est entreversé partenaire. Le dégagement pour éloigner le danger. Allez, le centre maintenant. La passe est interceptée. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il faut qu'il centre là. Gibbs White. Marcus Edwards. Domingos Quina. Chaloba. Allez, peut-être une bonne occasion. Choisis la frappe. Non, on avait dit qu'on se moquait pas, mais là vraiment c'est pas possible. Oui, alors tu le sais, c'est pas mon genre de me moquer, mais là c'est encore raté, hein. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Un duel pour la récupération du ballon. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Ah, la passe en profondeur, attention. Divock Origi. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Allez, juste avant de rentrer au vestiaire, c'est toujours bien de marquer. Non, mais peut-être c'est plus pareil, évidemment. Le Borussia Dortmund qui fait la course en tête. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous aurez pensé quoi, vous, de sa performance? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période.
Le coup d'envoi donné à l'instant par le Borussia Dortmund. Divock Origi, et Shibat Choyi. Oh, le but peut-être. Oh, magnifique, le gardien qui s'interpose. Il s'avance vers la surface. C'est Wurtz. Le ballon qui sort en corner pour Dortmund. Ce sera un corner pour le Borussia Dortmund. Un corner. Divock Origi. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Allez, peut-être une bonne occasion. Choisis la frappe. On avait dit qu'on ne se moquait pas, mais là, vraiment, c'est pas possible. Oui, alors tu le sais, c'est pas mon genre de me moquer, mais là, c'est encore raté, hein. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Ah, la passe en profondeur, attention. Divock Origi. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe.
On est à la moitié du chemin. C'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Allez, il lève la tête pour le centre. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Oh, que c'est bien donné, ça. Il fait tourner. Il prend sa chance. Ce sera donc un corner. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Allez, dégage, très loin. Ce sera un corner, l'occasion pour cette équipe d'accentuer son avance. Il a cherché le point de pénalty. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On voit le but qui ponctue cette action. Il était bien tiré, ce corner qui venait de la droite. On voit tellement de corners mal tirés que j'ai envie d'insister sur la qualité de celui-ci. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Un touche pour les joueurs de Dortmund. Adara Bioyo. Domingo Skinia. Attention, il a du champ devant lui. Chelsea, qui a fait pas mal parler sur le plan des transferts avec un recrutement qui a été confirmé depuis. Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Et l'arbitre accorde un coup franc. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, on va jouer un long ballon. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouh là là, il a frôlé le pénalty, là, ce tacle était dangereux dans la surface. Gibbs White. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Divock Origi. Il y a de l'espace, là, pour le Borussia Dortmund. On monopolise le ballon d'un côté, et dans l'autre camp, bien, on attend. Ouais, belle séquence de possession. Dans la moitié de terrain adverse en plus. Allez, l'occasion peut-être. La frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Allez, le centre maintenant. C'est dans le paquet. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Il intercepte. Il a atteint l'heure de jeu. Samir. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Maitland-Niles. Adara Bioyo. Domingo Skinia. Domingo Skinia. Michy Batshuayi. Est-ce ce ballon qui traîne? Divock Origi. Attention, ça peut faire but.
redoublement de passe pour créer de l'espace. La passe est mal assurée. C'est une interception. Il s'est ouvert le chemin du but. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Péchy Batshuayi. Ça part bien, action dangereuse. Ah oui, parfaite la récupération. Si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision, bah maintenant vous le savez. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Gibbs White. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Domingos Quina. Gibbs White. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Michy Batshuayi. Le dégagement pour éloigner le danger. La touche est pour Dortmund. L'entraîneur qui décide de faire un changement. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Michy Batshuayi. Ah, une frappe lointaine, pourquoi pas. Oula, ouais, ce sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, dans le trou. Domingos Quina. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid! L'écart qui se creuse encore un petit peu plus dans ce match. C'est sûr que le score est lourd. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Samir. Très mal donné hein, ce ballon. Domingos Quina, Péchy Batshuayi. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. C'est sorti en faveur de Dortmund. Domingos Quina, Péchy Batshuayi. Gibbs White. Ah, pas de problème, hein, ça, le ballon circule bien. Oui, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Maitland Niles. Elle a un petit peu de panache d'un côté ou de l'autre là parce que la fin de match est vraiment ennuyeuse avec ces séquences de passes à 10. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, y a du monde sur lui. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Domingos Quina, Divock Origi. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et attention, et le but de Batshuayi. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Et puis, histoire de passer aussi les dernières minutes vraiment tranquille. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Péchy Batshuayi. Domingos Quina. Tai Chong. Divock Origi. Ouais, coup franc, il a fait faute.
Allez, un changement dans cette équipe, Pierre. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. On dirait qu'il va le frapper direct, ce coup franc. Pourtant, il est loin, là. Ouais, c'était dangereux, mais la défense... C'est dégagé au grand soulagement du gardien. Divo Corrigui. Gibbs White. Domingos Quina. Le ballon est perdu pour tout le monde là. André Chimaos. Michy Batshuayi. Ah, la passe en profondeur, attention. Il lui donne en profondeur. Oh, le but, magnifique. Le calvaire aura vraiment duré jusqu'au bout pour la défense. Ce but vient sceller la défaite. On le revoit, celui qui les condamne définitivement. Ouais, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Un sourire entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant.
Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Samir. Voilà, c'est terminé sur cette victoire donc pour le Borussia Dortmund. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable, un match à sens unique. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Ah, la passe en profondeur, attention. Vive Origi. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ils font tourner. Il prend sa chance. Ce sera donc un corner. Il a cherché le point de pénalité. Adara Bioyo. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Ouais, dans le trou. Domingos Quina. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et attention. Et le but de Batshuayi. Ah, la passe en profondeur, attention. Il lui donne en profondeur. Oh, le but. Magnifique.